Le Nord, ce ne sont pas que les agriculteurs, mais plus les mecs pieds la boue. Ce sont des gens qui font la Martinique de demain. On ne reste pas dans le Nord parce qu'il n'y a rien. Et si on ne fait rien, ben, il n'y aura jamais. La clientèle, c'est-à-dire, on n'a pas les mêmes positions. C'est-à-dire, il ne faut pas faire des gens de 57 pays, c'est avec du surf que tu fais venir. De quoi faire? Dans le Nord, elle va en parler. C'était un choix stratégique puisque moi je souhaite me développer autour du Lorrain notamment. Donc je desserre toutes les communes, Macouba, Basse-Pointe, Rivière, enfin tout le nord atlantique et une partie du nord en Caraïbes. En fait il y a une potentialité très forte à développer sur ce secteur. Il y a une très forte demande aussi. Donc on essaie de pallier à cette demande pour pouvoir s'ouvrir. On a l'AOT qui est en train de se constituer. Donc il y aura un grand chamboulement au niveau des transports. Il faut être présent. Le Nord, c'est l'avenir, je dirais. L'urgence, ça fait moins de chemin à faire, moins de transports à faire. Et ils ont les mêmes conditions. Il y a la peinture, et puis voilà. Les prix que nous exerçons à la montagne sont les mêmes qu'à Sainte-Marie. Nous avons accueilli 3 porteurs de projets. Il y a eu 2 départs, bien évidemment, puisque l'hébergement pépinière se fait sur une durée de 36 mois. Dans un premier temps, 23 mois, avec une possibilité de prolongation de 12 mois. Disons 70% des demandes en pépinière sont sur des activités qui nécessitent un atelier. Aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité de proposer ce type de local aux chefs d'entreprise, puisque nous accueillons en pépinière des activités dans le secteur du tertiaire.